Allez, Michel, va chercher l'os. Michel, c'est pas par là qu'il est. Regarde, Michel, il est là. Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu tournes sous la table? C'est n'importe quoi, mais ce chien est complètement fou. Michel, Michel, arrête. Oh là là, c'est pas possible. Je sais même pas pourquoi je l'ai adopté. Il fait n'importe quoi, il est un peu bête, ce chien. Finalement, il est un petit peu comme moi. Hein. Bon, Michel, on va aller faire une promenade, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, viens, viens, viens. Michel, Michel, viens ici. Allez, viens. On va se promener, on va faire une promenade, on va aller voir Talcado. Allez, viens. On va aller voir Talcado. Et tu sais quoi, Michel? Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire à quel point je l'aime et j'aimerais qu'il devienne mon petit copain. Ce serait trop bien. Tu trouves pas, Michel? Tu t'en fiches. Oui, je sais que tu t'en fiches. Allez, viens, Michel. Viens. Allez, on va chez Talcado. Dépêche-toi, marche un peu. Oh là là, mais Michel, mais tu fais n'importe quoi aujourd'hui. On dirait que t'es pas du tout motivé, hein. Contrairement à moi. Allez, on va voir Talcado. C'est parti. Allez, Michel, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Talcado, Talcado. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Coucou, c'est... ça va? Oh, t'es encore là, toi? Ouais, ça va, qu'est-ce qu'il y a, Anna? Ouais, ça va, regarde, j'ai Michel avec moi. Ah, trop bien, Michel. Par contre, Michel, il vient pas sur le canapé, sinon il va le salir, hein. Bah, après, il est pas, tiens, il est pas super bien. Donne-moi la corde, donne-moi la corde. Michel, les chiens, je suis désolé, j'aime bien les chiens, hein, mais les chiens, mais c'est non, dehors. Mais non, mais t'as le cadeau, non, allez, Michel, allez, il est Michel. Gentil. Non, Michel, il est peut-être très gentil, Michel, hein, peut-être très gentil. Lâche-le. Tiens, bah, je le lâche, pas de soucis. Quand je lâche ça, quand je lâche ça. Tiens, hop là. Merci. Les chiens, c'est de... En fait, t'as le cadeau avant que tu rentres. Non, t'as le cadeau. Tu veux pas qu'on parle? Et qu'on parle de quoi? Bah, tu sais, ça fait un moment qu'on se côtoie et je me disais que peut-être on pouvait officialiser les choses un peu, non? Officialiser quoi? Que t'es ma fangirl officielle? C'est déjà officialisé, ça, Anna. Non, mais qu'on devienne petite amie. Quoi? Bah, oui, t'as pas envie. Je suis sûre que tout le monde a envie. En plus, je vois tous les commentaires. Ils ont tous envie que tu deviennes mon petite amie. Non, Anna, non. Je suis pas du tout prêt et sûr, mais pas en plus. Anna, on est juste amis, c'est pas possible. Oh non, moi je pensais que tu voudrais être mon petit ami. Non, Anna, je suis désolé, mais pas pour l'instant. Oh non, c'est vraiment pas cool, t'as le cadeau, s'il te plaît. Anna, arrête de forcer. Allez, 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 allez. Ton chien, il t'attend dehors. Non, j'ai vraiment pas envie. Je suis désolé, Anna, mais non, non, oh. Sans façon. De toute façon, depuis un moment, tu fais même plus attention à moi. Oh là là, mais arrête d'être comme ça, enfin, Anna. Michel, viens ici, on s'en va, on laisse t'as le cadeau tranquille. Allez, allez, hop. Michel, dehors. Ciao, Michel. Oh non, je pensais que t'as le cadeau, il voudrait devenir mon petit ami. Et il veut pas. Et depuis un moment, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas, peut-être qu'il y a une autre fille, je sais pas. Oh non, je suis tellement triste. Il faut que j'aille en parler à Waris. Vas-y, Michel, reste ici. Reste ici, Michel. Hop, non. Pas comme ça, voilà. Ah, Waris! Oh, ouais, je suis en train de faire ma sieste, là. Je peux rentrer, s'il te plaît. Tu vas me faire un bisou? Non. Pourquoi tu veux rentrer alors? Il faut que je te parle de Talcado. Ok, vas-y, rentre. Merci. Et eh ben, de en rien, fait, Talcado, il veut pas devenir mon petit ami. Bah, ça, tu le sais depuis longtemps, Anna. Non, mais aujourd'hui, je pensais que ce serait différent. Tu sais, ça fait un moment qu'on parle, qu'on fait plein de trucs ensemble, et je pensais qu'il voudrait, et il veut même pas. Ouais, bah, lui, il te considère comme sa fangirl, ça, tu le sais très bien. Après, je sais que des fois, ouais, c'est un peu ambigu entre vous, mais en ce moment, vous voyez beaucoup. Non, on se voit pas souvent en ce moment. J'ai l'impression qu'il est... Qu'il se détache de moi. Ouais, il m'esquive, il se détache. Je sais plus quoi faire à Waris. J'ai l'impression qu'il fait plus du tout attention à moi. Ah, mais s'il se détache, tu prends de la colle et tu te colles contre lui, comme ça, il sera attaché. Non, je pense pas que ça lui plairait à Waris. De toute façon, je suis sûre que même si j'étais plus là, il serait même pas triste, il s'en ficherait, lui. Comment ça, plus là? Genre, en mode, si tu serais dans le ciel, là? Non, moi, je veux que tu restes en vie, je veux que tu restes dans la ville, moi, sinon ça serait trop triste. Bah ouais, je sais, mais je suis sûre qu'il s'en ficherait, lui, si j'étais morte. Ouais, moi, je pense pas, hein. Talcado, il est quand même très proche de toi, hein. Même s'il t'esquive un peu en ce moment, moi, je pense qu'il est quand même attaché à toi, hein, et il aimerait pas que tu partes de ce monde. Tu penses? Bah, je suis clairement sûr. Waris, j'ai une idée. Oui, dis-moi. Et si je faisais semblant de mourir et comme ça on pourrait voir si Talcado il tient vraiment à moi. S'il serait vraiment triste ou pas. Oui, ça peut être une idée de prank parce que bon, si ça serait vrai, ça serait vraiment trop triste. Ah non, et ça mais c'est juste un prank, Waris, n'importe quoi. Moi j'ai envie de rester ici. En plus j'ai ma maison, j'ai Michel, j'ai Talcado, j'ai Robert, j'ai tout le monde. Ah oui, bah ce genre de prank faut vraiment le faire que sur Minecraft, hein, parce que ça, sinon sur autre chose ça se fait pas. Non, ça, mais hein. Non, mais Waris, mais n'importe quoi, c'est juste un prank. C'est pour voir si Talcado il m'aime vraiment. Ok, bah vas-y, mais du coup, comment tu veux faire ça, toi?
Je sais pas encore, faudrait que j'en parle. Peut-être à un médecin, peut-être que lui pourrait m'aider, tu crois pas? Oh, alors un médecin, il ferait jamais ça, à qu'une seule condition. C'est vraiment que ça soit un médecin bizarre. Bah, tu connais des médecins bizarres, toi, un peu? Moi, je suis sûre qu'il y en a ici, des médecins bizarres. Ah bah, on est sur Minecraft, y'a que ça, des trucs bizarres. T'as le cadeau, ouais, il est bizarre. Clair. Ton chien, il est bizarre. Hey, frappe pas mon chien, Awari, ça va pas. Toi, t'es bizarre, tout le monde est bizarre ici. D'ailleurs, Awari, je me disais... Ouais. Bah, quand j'aurais trouvé une idée, faudrait que tu ramènes ta le cadeau pour qu'il voit. Ok, d'accord, mais moi j'ai quoi en échange? Bah, je te donnerai des diamants. Oh, c'est nul, j'en ai plein déjà des diamants, moi. Bah, allez, tu peux me rendre ce service, Awari, s'il te plaît. Ok, d'accord, mais contre. Laisse-moi réfléchir. Est-ce que t'as une petite idée? Non, j'ai pas d'idée. Tu veux quoi, Awari? Contre un bisou. Non, je te ferai pas de bisou, Awari. C'est sur la joue. Bah, sur la joue, ok. Ok, vas-y, bah, si ça marche, et bah, tu me feras un bisou sur la joue. D'accord, c'est promis. Let's go. Du coup, il est où ton médecin? Faut que j'aille à l'hôpital. Ok, vas-y, tu peux te laisser Michel? Ouais, bon, bah, je l'aurais peut-être mangé entre temps. Hein. Non, Awari, mange pas Michel, s'il te plaît. Il se mange pas, regarde sa petite bouille. Il a pas envie que tu le manges. Bah, il est très joli, par contre, il commence à bouer, ça commence à me saouler. Et en plus, il s'appelle Michel. Ouais, c'est très joli, Michel. Bon, allez, je vais à l'hôpital, Awari. Je vais te dire si je trouve une solution. Hein. Ok, vas-y, tiens-moi au courant. Ouais, ok. Merci beaucoup, Awari. Ouais. Hey, Michel, tu manges ton caca, toi aussi? Awari est tout le temps en train de parler de caca, faut vraiment qu'il arrête avec ça, ça devient même flippant, je trouve. Bon allez, faut que j'aille à l'hôpital, faut que j'aille trouver un médecin. Alors là, c'est l'hôpital. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, j'aurais quelque chose à vous demander. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous là tout de suite? Attendez, je regarde mon planning de petites minutes. Oui, je suis disponible tout de suite. Ok, mais je préfère vous parler en privé parce que c'est quelque chose d'un peu particulier quand même. Ah. Ok, alors attendez, bougez pas. Veuillez me suivre, on va se mettre dans mon bureau. Oui, d'accord, je vous suis. Allez-y, passez devant, bien entendu. Je vais fermer la porte, histoire qu'on soit vraiment tranquille. Alors, je vous explique mon problème. C'est pas vraiment un problème, mais en fait, j'ai une peine de cœur. Et en fait, j'aimerais que le garçon, il fasse plus attention à moi. D'accord, je vois, oui. Voilà, et en fait, j'aimerais simuler, lui faire un prank et simuler ma mort. Quoi? Comment ça, simuler votre mort? Attendez. Je suis pas sûr de bien comprendre. Vous voulez faire semblant de mourir? Ouais, c'est ça. Bon, je sais que c'est un petit peu particulier, mais comme ça, au moins, il se rendra compte qu'il tient à moi et voilà. Ça va être très compliqué, hein. Vous savez que ça va à l'encontre de ce que je suis censé faire. Normalement, moi, je soigne les gens et... attendez, bah, laissez-moi réfléchir. Dans un sens, c'est m'empêcher de me faire du mal. Vous allez m'en empêcher. Vous allez trouver une solution pour pas que je meure. Ça doit se trouver, si je réfléchis bien, je dois avoir une solution. J'ai une paire de bottes un peu spéciales qui pourraient peut-être vous aider. Ah. Mais le problème, c'est que... Attendez, je regarde sur mon ordinateur. Ah. Ça vaut quand même relativement cher. Je ne suis pas sûr que vous ayez des moyens. Vas-y, dites-moi. C'est 64 diamants. Si, je paierai, tant que c'est pour la bonne cause. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vais chercher ça tout de suite et je vous les amène. D'accord, merci, c'est gentil. Vous les avez dans le coin, là? Oui, je les ai dans un bureau juste à côté, bien à l'abri. D'accord. Vous restez ici? Je vais les chercher, j'arrive. Oui, ok, je vous attends. Je ferme ma clé. Oui, d'accord. Bon, c'est trop cool, le médecin, il a accepté de m'aider. Maintenant, faut que je lui demande de qui se rende sur le terrain pour qu'ils disent que je suis morte. Et comme ça, on verra la réaction de tel cadeau. Faut que j'attende les bottes, du coup. Il arrive. C'est bon, vous les avez? C'est bon, j'en ai trouvé une paire et c'était la dernière parce que j'en ai déjà utilisé une pour un truc. Enfin, bref, je vais pas vous étaler ma vie. Mais bon, c'est 64 diamants, s'il vous plaît. Je les ai pas sur moi, mais je pourrais vous payer plus tard. Bon, ok, mais repassez dans la journée, hein. Sinon. Oui, c'est promis, je les prendrai. Ok, tenez, je vous les donne. Merci. Je vous fais extrêmement confiance. Et est-ce que je peux vous demander un autre service, s'il vous plaît? Oui, dites-moi. Il faudrait que, quand je tombe, vous dites que je suis morte. Vous m'emmenez à l'hôpital et vous lui dites que je suis morte. Vous me demandez de mentir? Ouais, ce serait vraiment cool de votre part, s'il vous plaît. Bon, ok. Demandez si gentiment, je vais faire ça. Je viendrai. C'est quand, c'est où? Je pense que je vais me jeter du haut de la grande statue de Talcado. Vous voyez laquelle c'est? Oh bah, bien évidemment, on voit que ça dans la ville. Ok. Voilà, je me jetterai de là et puis vous pourrez venir me chercher. D'accord, je viendrai sur place et je dirai à tout le monde que vous êtes morte. Vous êtes complètement morte. Voilà, exactement. Bah merci beaucoup, on se voit plus tard. Super, allez, au revoir. Au revoir. Bon, c'est trop cool, j'ai réussi. J'ai eu les bottes et le médecin va venir dire que je suis morte à Talcado.
Allez, je vais rentrer et je vais aller prévenir Awariz. Ok, faut que j'aille tout de suite prévenir Awariz. Où est-ce qu'est Awariz? Awariz, il est où Awariz? Ah, Awariz, Awariz! Qu'est-ce qu'il y a? Bah du coup c'est bon, j'ai trouvé le médecin et regarde, il m'a donné des bottes pour pas mourir de chute. Elles ont quoi tes bottes sur le côté là? C'est des ailes. Quoi? Des bottes avec des ailes? Ouais, et ça permet de pas mourir de chute du coup, c'est trop bien. Et du coup t'es sûr que ça marche? T'as essayé? Non mais... Vas-y, bah mets-les et puis des cas, essaye ici déjà là. Ouais, enfin, t'as raison. Attends, je vais les essayer, hop. C'est bon, ça fonctionne, j'ai pris aucun dégât. Ouais, bah nickel, super. Attends, je les enlève, hop. Hop là, oui bah en vrai t'aurais pu les garder. Tu sais quoi maintenant, bah va falloir que tu montes tout en haut là-haut. Et j'espère que t'as pas le vertige hein. Non ça ira, t'inquiète pas, je vais aller chercher des blocs. Et toi tu vas aller chercher ta le cadeau. Ok, tu penses que dans combien de temps t'es en haut? Je sais pas, dans 5 minutes je dirais. Ok let's go, j'ai le temps encore. Ok, je vais chercher des blocs. Ok, à tout de suite Awariz, merci. De rien. Ok, je vais aller chercher les blocs. Et je vais monter en haut de la statue de Talcado. Allez c'est parti, j'ai des blocs juste ici normalement. Hop, non pas là, mais ici, voilà. Et c'est parti, je vais monter... par où je vais monter? Je vais monter sur le côté, je pense. Je pourrais peut-être passer par son bras. Allez, hop, on y va. Hop. Allez. Ok, je suis arrivée sur le bras, et là j'arrive au niveau de la tête de Talcado. Oh, regardez comme il est beau, Talcado. Il est trop beau. Allez, hop, je monte carrément sur son crâne. Et après, je vais pouvoir mettre les bottes. Ah là là, il fait vraiment super beau ici, waouh. Oh, Talcado est déjà en bas. Du coup, Talcado, tu sais, il va falloir que je t'emmène quelque part, mais je sais pas si ça va te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Brice? Tu vois, au centre de la ville, Talcado, on a des statues. Ouais, et bah... Justement, il y a une statue, elle est un peu bizarre. Ouais, laquelle? Ouais, bah regarde, la tienne, elle est chelou, ta statue, regarde. Ah, mais quelqu'un l'a vandalisé, quelqu'un a posé des blocs. Quelqu'un a vandalisé ma statue, mais c'est qui? Je sais pas, en tout cas, Talcado, je crois que c'est un truc... Talcado! Je suis en haut. Regarde en haut. Regarde, je suis en haut. Robert, c'est toi qui as vandalisé ma statue. C'est toi. Mais c'est pas Robert, mais n'importe quoi. Anna? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut, Anna? Je vais sauter, Talcado. De toute façon, tu m'aimes même pas. Saute pas. Saute pas, Anna. Si, je vais sauter. Non, saute pas. Non, je peux pas voir ça, non. Talcado, il y a plein de sang. Regarde pas. Non, mais je peux pas voir ça. Je crois qu'elle s'est cassée la tête, s'est cassée les jambes, s'est cassée les mains. Non, mais comment c'est possible? On dirait une nugget, Talcado. Il faut que j'enlève mes bottes, et là, je suis par terre, et là, je fais semblant d'être morte. Attends, je vais appeler un médecin. Appelez l'ambulance, je peux pas regarder. Les pompiers, venez, une ambulance, un médecin, s'il vous plaît. Ah, il y a un médecin qui arrive, il est là, monsieur, on a besoin de vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Passé que cette dame est tombée de là-haut. Mais quoi? Mais attendez, mais... C'est pas possible qu'elle soit encore en vie. Attendez, laissez-moi regarder. Ah, faut l'amener au médecin, là. Faut l'amener dans ce bâtiment. Je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais cette dame est décédée. Quoi? Elle est morte? Elle est complètement morte. Oh mince, attendez, je vais prévenir mon pote Talcado. Il est où? Il est où, Talcado? Ah, il est derrière l'arbre, là-bas. Awariz, dis-moi qu'il y a rien de grave. Alors, Talcado, il y a rien de grave, elle est juste morte. Quoi? Non. Si, du coup, c'est un peu grave, en fait. Non, Anna est morte. Oui, elle est morte sur Minecraft, Talcado. Oh non. T'es triste, Talcado? Est-ce que t'es triste? Anna est morte. Non, Anna, dis-moi que ça va bien. Réponds-moi, non, Anna. Anna, vraiment désolé, monsieur, de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais Anna est décédée. Je vais la transporter à l'hôpital. Quoi? Anna est morte? Non, c'est trop... Oh. C'est le pire jour de ma vie. Talcado, t'as dit que tu t'en foutais d'elle. Non, je m'en fous pas. Bon, en tout cas, moi, je vais accompagner le médecin à l'hôpital. Hein. Ok, Awariz. Ok, super, ça a fonctionné, il y a cru. Faut vite qu'on aille à l'hôpital et faut refaire un verdict là-bas pour que vraiment Talcado soit super triste. Et Awariz, t'en rajoutes. Hein. Ouais, j'en rajoute. Je dis comme quoi, c'est un dégât pas possible, c'est dégueu, etc. Exactement, tu vraiment t'en rajoutes. Par contre, Robert, il avait pas l'impression d'être choqué que je suis revenu à la vie, mais c'est pas grave. Ouais, je crois qu'il est... Mais après, lui, son cerveau, il dysfonctionne un peu. Hein. Il a pas dû comprendre. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu bête. Bon, allez, vite, on va à l'hôpital et ramène Talcado à Awariz. Va le chercher. Ok, tout de suite, chef. Ok. Allez, Talcado, viens, on l'expert à la morgue. Bon, allez, oh non, à la morgue, carrément à la morgue. Oh non. Ouais. Tac, monsieur, on peut rentrer ou pas?
Oui, allez-y, vous pouvez rentrer si vous voulez la voir une dernière fois. Oh non, Anna, j'ai mis ma plus belle tenue pour pouvoir lui rendre hommage. C'est bon, vous avez mis de la paille à l'intérieur? J'ai rempli son corps de paille, bon, évidemment, elle n'est pas aussi belle qu'avant, mais bon. Vous l'avez empaillé? Vous l'avez empaillé? Mais c'est pas un trophée de chasse. Non mais, c'est pas un trophée de chasse. C'est comme ça, tu sais, c'est pour qu'elle ait l'air encore en vie. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais attendez. Pour que je puisse la voir en bon état quand même, tu voulais pas quand même qu'on la voit en tant que nugget? Oh là là, ça me fait trop mal au cœur, je peux pas rester ici. Je crois qu'il est triste. Ça a carrément marché. Bon, maintenant, faut que j'aille lui dire que c'était une blague, hein, parce que sinon, il va être beaucoup trop triste. Attends, tu je lui demande d'abord s'il avait quand même un peu des sentiments pour toi. Oui, Awari, s'il te plaît, demande-lui. Ok, ok. Hey, t'as le cadeau? Il est où celui-là? Ah, t'as le cadeau, t'es où? T'es là. Hey, pourquoi tu pleures? Parce que Anna, elle est morte et c'est ma fangirl. Oui, c'est ta fangirl, mais t'as le cadeau, t'avais même pas de sentiments pour elle. Je suppose qu'au fond, Anna, je l'aime bien, je l'adore même. Ah ouais, au fond, tu l'aimais bien un petit peu quand même. Oui, mais je suis beaucoup trop triste, Awaris. Ok, bah, je vais te laisser pour l'instant, j'arrive. Il a dit qu'il avait un tout petit peu des sentiments. Oui, j'ai entendu. Bon, maintenant, je vais aller le voir, mais je risque de lui faire un choc, là, il va faire un malaise. Hein. Ouais, attends, je vais lui dire que j'ai enlevé toute la paille à l'intérieur de toi. Oui, ok, Awaris. T'as le cadeau? Tu sais ce que j'ai fait, t'as le cadeau? Non, ça fait quoi? Bah, tu sais, on l'avait empaillé, il y avait plein de paille dans son corps. Bah, j'ai tout enlevé. Ah, mais t'es dégoûtant, Awaris. Regarde, t'as le cadeau, je suis là. Le fantôme d'Anna. Non, t'as le cadeau, je suis pas un fantôme. Au secours, le fantôme d'Anna. Awaris, je crois que là, t'as le cadeau, il est choqué. Au pire des cas, on peut lui dire que t'es un robot. Ça n'a aucun sens. T'as le cadeau, c'est un robot, elle fait peur. Vite, faut qu'on fuit. N'importe quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. C'était Anna, t'as le cadeau, Awaris. À la prochaine.